bozoa biso lokola bato pamba biso to bato pamba ke mboka kongo za mboka biso za mapesa biso batika jalou tozali na Yeah, no.
L'indignation contre le silence coupable de l'étranger, de la communauté internationale, l'injustice qu'on inflige aux Congolais, ce qui se passe à l'Est, ça laisse tout le monde indifférent. C'est bizarre, c'est ça. C'est pour cela qu'ils sont venus ici pour
protester contre ce qui se passe. Donc, la marche ici, ce n'est pas une marche de paix, de gaieté, de cœur. On vient demander justement la paix. On veut qu'il y ait la paix au Congo et la paix à l'Est. Et que la communauté internationale ne fasse pas deux poids, deux mesures. On voit ce qui se passe au Congo, qu'on tienne compte aussi sur ce qui se passe au Congo. Donc, nous sommes très émus. Je suis ému, je ne sais pas comment m'exprimer par rapport à ça, à la situation qui se passe au Congo, à l'Est. Donc, aujourd'hui, nous sentons que nous sommes seuls. Les Congo essaient d'abandonner. Il y a de l'injustice. On doit tenir compte de tout ça. On doit déclarer, on doit condamner ce qui est à condamner. Ceux qui sont condamnables doivent être condamnés. Mais ici, on soutient les agresseurs du Congo et on laisse le Congo seul dans une situation aussi dramatique. Voilà, c'est pour cela que nous sommes venus dénoncer et dire non et stop. Du Rwanda à travers le M3 de notre territoire. Rien n'y fait. Mais tous les jours, c'est une comptabilité macabre que nous faisons. Alors, nous avons conclu que le Rwanda n'est pas seul. Et il y a aussi des preuves matérielles que toute la communauté internationale est derrière le Rwanda. Vous voyez vous-même comment ils font à l'Ukraine. Ils envoient des armées, ils font des conférences à gauche et à droite. Et pour la RDC, ils ne font rien. Donc nous sommes fatigués. Nous avons marché pour montrer notre ras-le-bol de cette situation. Vous pensez qu'en marchant, il y aura des solutions? Je pense aussi. En marchant, nous voulons plus pousser nos autorités à réagir. Parce que nous ne pouvons plus compter sur... les bonnes intentions. Les gens disent qu'ils sont à nos côtés, mais dans l'ombre, ils fournissent des armes au M23. Croyez-vous vraiment qu'un mouvement comme le M23 est capable d'avoir des avions de chasse, des bombardiers, des armes sophistiquées? Mais non! Ce sont les Occidentaux qui les fournissent en armes. Donc, nos autorités, nous voulons vraiment demander à nos autorités d'agir, parce que à ce rythme, le pays va partir. Aujourd'hui, parce que nous pouvons savoir qu'est-ce que justifie la marche d'aujourd'hui. La marche d'aujourd'hui signifie juste que les femmes en ont ras-le-bol de tout ce qui se passe à l'est de notre pays. Elles sont en train d'exprimer leur désolation d'entendre tout le jour les armes qui trépignent à l'est de notre pays. La population continue à mourir, les hommes, les femmes, les enfants. Mais pourquoi? Pourquoi? Nous voulons dire non aujourd'hui. Nous tenons à ce que la paix revienne dans notre pays. Et nous demandons même que le Rwanda organise un dialogue inter-rwandais avec les FDLR, qui sont des Rwandais, pour qu'on s'organise au niveau du Rwanda. Et la population congolaise va s'organiser de sa façon. Nous voulons aussi dénoncer cette hypocrisie de la communauté internationale qui nous voudrions aujourd'hui qu'elle dénonce ce qui se passe au Rwanda, qu'elle soit claire, que nous puissions savoir qu'elle a dit non à la guerre et que les armes cessent de trépiner au niveau de l'est de notre pays. Quand même trop, c'est trop. Plus de 15 millions de morts, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Aujourd'hui, nous avons du mal à nous organiser parce que tous, nous sommes en train de regarder à l'est de notre pays et nous ne pouvons rien faire. Mais nous disons aussi que cette population qui s'est levée aujourd'hui, parce que cette femme qui s'est levée, c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui la gère, c'est elle qui la dirige. Elle dit aujourd'hui non, il faudra que le chef de l'État écoute la voix des femmes. Parce que ce que la femme dit aujourd'hui, c'est la vie. Il y a un adage qui dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Ça veut dire que si nous nous sommes levés, madame, je vais vous poser une question. À l'est là, vous avez vu une femme qui est chef de un franche de groupe armé
il n'y a aucune femme. Hein. Alors, nous mettons en garde toutes les autorités de notre pays pour qu'elles sachent que les femmes se sont levées pour dire non. Nous voulons la paix et nous voulons qu'on nous écoute. Et nous voulons qu'on négocie avec nous les femmes. Et je suis claire là-dedans parce que les femmes veulent absolument qu'on puisse construire notre pays. Tunalomba kwa mama wote mushimame ba mama imambo iko napita muichi yetu amani parashi ba mama ndio tutashimama na kama tutaenda na rais wa mukili tutumike kabisa du amani lurie na tuangere na mnakani wa kongomani wataweza kuikala mkati amani tutulomba kujibama mubonsi kujibalonda ba manya ne bijibinti bijibita lelu bintwebi kimbo tutetu kabijito bantu bajiba fwa tutulenda bimbo tutuka tulomba nibwa jitalala jibwela munkachi mwa jitu nga jetu mbimba tetu bonsu tujuka tetu bonsu tukala kabaka mwa bwa nifumwa jitonga batumana tuchijumwa kweza bwa jitalala jibwela munkachi mwa jitu nga jetu to sengi na ba mama bino boza kolanda ba mama nyoso RDC Bolanda, makambo tozo sala, botele mabiso banso, totele ma pote kimia ekota na mboka na biso. Makila eza kotanga, eza makila ya ba kongole. Toboi, toboi bitumba, tosengi na communauté internationale, alebela likamboyo, atele mila pe Rwanda. Bo makila oyo, toboi yango, menga ya banda ya Congo. Bet me buya, bana Congo met beaucoup sa ve. Problème yo kele na nanze la betu. Nanze na betu betu kena problème. Kad ben me bet me accepte ve na communauté internationale yen me soutenir Rwanda. Merci. Oui, bonjour. Oui, vous allez constater d'abord, messieurs les journalistes, la présence de la présidente de la Lifachi, dynamique des femmes et amies de Félix Tshisekedi Tshilombo, en sigle Lifachi, constate avec consternation les atroces qui sévissent à l'est du pays, mettant des familles en péril, brisant la quiétude et la paix que le président de la République, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ménagé depuis son à section à la magistrature suprême par des voies diplomatiques et politiques. Cette bonne foi qu'ont favorisé les présidents de la République est un acte de démonstration de vivre ensemble. Mais là, les ennemis sont là pour nous mettre à mal. C'est alors que la Difachi en cycle, nous sommes en train de dénoncer cet acte-là. Et nous compatissons avec nos très chers frères de l'Est, ensemble avec maman la présidente, maman Meta Mbala Régine. Alors vous voulez savoir le mot d'aujourd'hui, c'est dû à quoi? Vous cherchez quoi? Nous cherchons la paix. Nous cherchons la paix. On dit non, non, non au massacre, non, non aux tueries. Nous voulons la paix en air des Congo. Alors un petit message à certains Congolais qui ne comprennent pas que cette agression nous concerne beaucoup. Vous allez constater que nos mamans sont en noir. C'est une affaire de tous. Nous sommes Congolais. Nous ne voulons pas le sang dans notre pays, la RD Congo. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui. Quel est le but de marche d'aujourd'hui? La marche d'aujourd'hui a été organisée à l'initiative de la ministre du Genre, Famille et Enfants, en collaboration avec la synergie des organisations de la société civile pour soutenir la population de l'Est de la République démocratique du Congo, victime des atrocités, des guerres imposées par le Rwanda à travers ses supplétifs qui est le M23, aussi soutenir le président de la République pour tous les efforts qu'il est en train de consentir pour la restauration de l'intégrité territoriale de la RDC ainsi que la restauration de la paix. Voilà le but fondé de la masse et faire savoir au monde que la République démocratique du Congo
reste un et indivisible et que la population n'est pas prête à céder même pas une portion de son territoire, aussi le président de la République, en tant que le premier citoyen, ne cédera pas même pas une portion du territoire national. Alors, quel est votre message aux Congolais? Parce qu'il y a certains Congolais qui ne comprennent pas que nous sommes envoyés par le Rwanda. Quel est votre message à certains Congolais qui ne comprennent pas que nous sommes envoyés? Nous disons aux Congolais qu'il n'y a pas beau que l'amour pour la patrie, qu'il n'y a pas beau que l'identité, qu'il n'y a pas beau que d'appartenir à un peuple. Être Congolais, voilà le seul grand bien que les ancêtres nous ont légué. Et ça, c'est non négociable. Oui, Bandeko, marche à l'élo. Et Zapoto, là, qui s'abandonne, qu'on a vu sur l'Est, qui est tout ça, bon, moko. Tout ça, n'a pas de longo, malgré ma passe, n'y a pas de longo. Yango, y a un gros bisou, tout est mis l'élo. Tu n'es pas président de la République. Que président n'a pas de longo. La tête, tellement aussi, il s'habite en bawana. Il n'y a que le peuple, et ça, n'a jamais côté kayote yo kende ka liboso pesa biso kimia pesa biso makoki ya kobongisa mboka na biso bongo na biso yo kana pona nini batu bazo kufa ebele pona likamba mabele na biso ezali mabele nzamba pesa ki biso eza muta mukitenda pesa ki biso siko ndenge nini bandeko bakoya kokufa po bazali ba congolais po bomengo wana nzambe nda pesa ki biso Togoya kokufa poani. Yango tongi to tongola mongongo na biso. Bato bazo tinda minduki. Bazo antete Kagame. Batika. Mabele ya Congo ezali ya ba Congolais. Biloko ya Congo tokoyokana. Ponza mapesa kyango biso te mibike la liboso to bonga et puis to kanisa pe ba voisins na ndenge ya koyokana ke biso zana ngo. Soki bakoya na mbongo, to tekeli bango. Mais qu'on soit pas maquillé, on a dit que c'est un boy, un boy, un boy. Pourquoi maman va-t-elle dit que c'est moi et l'équipe de l'Union. Si on a dit que c'est moi qui ai 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 dit que c'est moi qui Sikoyo, mosala todo sa ikende ya pamba te, togo tibana, bakufa rapona likambo nzamba, pesi biso bomengo na biso, wana togoi. Monene ya mboka na biso, ezali nzambe nda lingaki. Tezali ekolo ya batu ebele, 456 tribi. Wana togo yango, ozala nani, mundele nani, togo yi. Nakansi, onda lekina ya kolo ba yango. Bonjour. La marche d'aujourd'hui a été organisée, c'est institué par le ministère des tutelles. Le ministère des tutelles, là où moi je travaille, c'est le ministère du genre, famille et enfants. La maman ministre a demandé à tous les services, à tous les départements, au corps professionnel du ministère du genre, à ce que cette journée d'aujourd'hui, nous soyons ici devant le palais de la nation pour dire non à ce que le Rwanda est en train de faire chez nous au Congo. Les tueries, les assassinats, les concussions, le déplacement des gens qui quittent leur village pour se retrouver en pleine brousse. Ça ne se fait nulle part au monde, sauf chez nous au Congo. Et le Congo doit se lever pour faire échec à cette entreprise montée de toutes pièces, c'est pas la communauté internationale qui est sourde, qui ne dit rien, qui ne dit mot pour le Congo. Raison pour laquelle nous sommes venus pour que ce message soit vulgarisé, que ce message atteigne le monde. Vous voyez, les Congolais sont tués, mais il n'y a rien, il n'y a personne qui parle. Ça ne se fait nulle part au monde. Mais il y a de nos frères qui sont là, qui nous regardent et qui se demandent mais qu'est-ce que, pourquoi vous devez marcher, nous sommes et tout, il faut dialoguer. Dialoguer avec qui? On ne peut pas dialoguer avec un diable. La parole de Dieu dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et votre frère que vous aimez, est-ce que vous pouvez faire du mal à votre frère, le tuer? Et après qu'on ait tué, on dit dialoguer après la mort. Est-ce que vous pouvez dialoguer avec quelqu'un qui est mort? Non, c'est faux et archi faux. Ce sont des leçons que
certaines personnes doivent comprendre que la lutte pour le Congo ne peut se faire que par les Congolais eux-mêmes. C'est ça. Il n'y a personne qui viendra nous libérer. Nous, si nous voulons nous libérer, c'est à partir des actions pareilles. Pour que l'humanité entière sache que non, le Congo ne veut plus, ne veut plus. Nous sommes chez nous. Un pays hospitalier, un pays qui accueille tout le monde comme chez soi. Mais comment on va nous faire cette guerre? Comment on va nous faire la guerre? Nous ne sommes partis dans aucun pays. Nous ne sommes pas allés envahir un territoire, envahir un pays, envahir un lieu qui appartient à autrui. Non. Ok, merci. Congo, je suis dans le Congo. Il faut à Sanganana biso pour Nairobi et Noko. On est censé soutenir Kagame et ses ennemis en Congo. Et pas comprendre que Zali Kambamboka est l'affaire de la paix. Zali Kambamboka congolais nyonso, chaque congolais ici à Zali, il faut tellement. Et ça peut qu'à marcher était. Mabilenge au bazo baluka baluka na kisha saba kota armée to bunde la mboka. Parce que lenga Congo ezaka te koloba Congo mboka lengi. Mboka lengi ya Congo soki tozana kimia. Lengi ya Congo soki bato bazo kufa te po ba o makila ezo tangana est baza pe ba congolais lokola biso. Ezana tina te ba msuba bi na kana kisha sa bamela ka ba masanga ero batandami na banganda. On dirait feti nzoka bazo kata ka batu kingo na est ya Congo. Eteni ya Congo ezana maboko banguna. Il faut to tele matobo ya likambo oyo. Batunye se base de ma responsabilité na bango to soutenir pe ba soda na biso parce que bazo sala musala ya kitoko to soutenir président mokonzi ya mboka ako bakaka ndenge wana timu nguna ko bima libanda ya mboka na biso. Jambo sana hapa tulikuya sawa mama wa este tunaungana na ba mama ya west hapa tunakuya hapa ku presidence ili tuweze kupiga kelele sana kwa mambo ambayo inaendelea kutufikia tangu miaka 25 tuko tunakufa tunabakwa watoto wetu wanakufa sasa tunasema inaisha na tunasema hakuna tena negotiation hatupendi tena president wetu anegosie na wale ba rebel tunapenda sisi wote vijana wa baba wa mama wa binti tukamate arme sisi wote tufanye formation twende tupigane na hatutaki tena mtu wa kusema kama tugabule au ba integre tena ba rebele mu arme yetu hatutaki tuko ba kongole ba mingi tunaweza kupigana Kongo yote inaweza kurusha hata ile Rwanda kidogo message kidogo kwa wale wa kongomani wengine abetika sema Rwanda acha kwamba hiyo nchi hiyo hapana ni wale wenye balijiunga na wale ba enemy njo wenye biko napatia kilo banapatia Rwanda kilo. Tunaomba wale wakongomani wote ambao walienda mu rebellion warudie nyumbani waingie mu FRDC wakuwe wapiganie nchi yetu. Tuko tu na nchi moja. Wasiitike wanadanganywa sababu wazungu wanatumia Rwanda ili watuue. Na tunaomba community international kama vile walisimama juu ya Ukraine, wasimame pia juu ya Kongo. Kongo watu wanakufa mingi kushinda Ukraine, lakini community international haifanye kitu. Taongeza kadogo. Na kwa hiyo tunaomba rais wetu wa Kongo asaidie sana wasoda yetu ambao wanapatikana kwenye vita. Wawatumie vifaa, wawatumie chakula pia na maji. Sababu kama wanapigana bila kitu unaona wanakuwa na boga. Na kama rais anawatia mkono askari wanapigana vita. Rwanda iko ndogo, Kongo iko kubwa sana. Sisi wakongomani tunapasha pigana hadi mwisho. Wazalendo wako wanafanya kazi. Tunamuomba rais wetu asaidie wazalendo mali wako na wamilitere yetu waendelee. Kwa hiyo unaona vita ambayo ilipita Saki hapa siku inapita hii siku jana juzi ile vita ilikuwa kali sana lakini kuona nguvu ya kuwa ministri wetu wa defense alifika Goma, uliona waaskari walikuwa motive na wakatumika sana na kwa leo Saki kwa mikono ya FARDC. Ingelikuwa wakubwa wanakuwa wanasaidia vile wazalendo na wamilitere kama Nyarwanda hawezi vuka hata santimetre mwa ya Kongo. Asante. Chuma. Mandanga awa.
Amjambo sana. Sisi ni wa mama, tuko msaniko ya ligue yetu ya ba femme ya action de volontaire pour la relève patriotique ya mheshimi wa Muindo Nzangi Butondo. Tuko leo hapa juu ya kudenoncer agression yote enye inafanika ku parti est ya mungini yetu kupitia Rwanda. Juu haiko tena kitu ya kuficha, tunayo aseme tuko agresse na pays moya enye inaitwa Rwanda. Ni wanaume walifanya mamarche. Ni wa vijana ndio walifanya mamarche. Walienda ku chancellerie. Mais leo haiko wa vijana, kweli tunachangana mais leo ni wa mama. Wa mama wakisema, wanasema sauti ya mama ni sauti ya Mungu. Leo sio wa mama tunasimama na hatukwenda kwa chancellerie, tuko leo ku parler de la nation. Ku parler de la nation ni kwenye kuko top de top, kuko président wetu mheshimiwa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mwenye kila siku anahusika kwa ajili ya mapambano inayopitika huku ku este yetu ya mungini. Ndio maana tunakuya hapa tunyangule sauti yetu pamoja, wa mama wote tunakia kusema hatutaki tena damu imwangike huku ku este ya mungini yetu. Wandugu yetu ya Goma, wa mama, watoto, vijana, wa baba, mwiyo ya kwamba tuko na nyie pamoja. Tunaungana kupitia maombi, tunaungana kupitia marche yenye tunafanya leo, ni kuwaonesha ya kwamba tuko nanyi pamoja, tunawapenda kwani mko wandugu yetu. Mungu mwenye tunaomba kila siku awajalie tena neema na salama irudie huku mungini yetu ya Goma. Bonjour papa. Message tozo lancé na peuple congolais eza se moko. Tonta yango yo tozo lela, tozo se plaindre, tozo ganga. Mala misuku to kauki to lela kali susute. Chaque jour batu bazo kufa. Mutoza suna valeur na Congo te to lembi. Biso ba mama ya Congo, to ebisi mokonzi na biso boye. Tozwa exemple ya Mali, tozwa exemple ya Burkina Faso, tobenga na Nations Unies, ezo sale la biso elo kote, 30 ans de mission solution ezate. Ponani, ba Burkina be ba bengana ki ba français, lelo kimia ezongi, peyi ekomi unifié. Nations Unies na mission na bango soki MONUSCO soki nini, baza na ba pare sophistiqué, meti lelo bakanga kamonguna te. Est-ce que c'est normal? Est-ce normal? To benga na bango. To kiti si salaire ba député. To futi soda bien, to futi muzalendo bien, to pesie arme o le sengeli akende kobunda. Ba soda na biso baza capable. Ba zalendo na biso baza capable. To benga na ba force nyoso APDF, PDF, UPI. Nyoso na ba kende, to se concentrer biso moko na mboka na biso to kolonga. Message la biso zaka ka chef de l'état papa ya mboka tozo le belagoma na beni kutu ezande enfer na territoire a beni kolobate na mangina depuis janvier ti mois oyo 80 personnes tuées 3 jours durant awa ça fait 3 jours babo mi 24 personnes à hôpital ba pasoli mutu ba pasoli lokolo wala batu bayebite batu bazo kufa dans le silence na territoire ya beni bazo kufa na ndenga mukete. C'est vrai, Goma est en danger, mais tobo sa na benité. Tobo sa na beni territoire te. Papa na biso, message za moko. Mali na Burkina, to sa la kandenye wana. Merci beaucoup. Merci Tete, ma journaliste. Betme fukana awa bubu. Betme kuisa osa la marche. Marche na betu kende, betke songa président de la République, betke songa monde entier, betke songa ba Congolais, ba Congolaise. Ete moka na, wala na betu, yoke na mavanga. Mavanga ke na est Bambavé, mavanga ke na beni territoire, mavanga ke na kwa mutu awampi bantu ke na kufa mingi.
message na betre na chef de l'état betre mona nde ba soda na betre capable na kunwana kana betre mona nde betre bikala kana ba soda na betu ya mpamba na kati na bwala na betu betanunga bitumba yaye me kana bende betre fukisa na ba soda ya ba bwala nkaka yake kusana tila betu bisaka saka na kati na bwala na betu tabonga ve betre telimisa ba mama nyonso ya kati ya bwala na betu ya Congo betre fukisa ba mama nyonso ba province na betu yake na kati na est yake na kwa mtu awa na mai ndombe nde betu telama betu nyonso na kimvuka samunde betu soutenir chef de l'état na ina yake sala samunde bwala na betu kuvana na ngemba.